Les amis, bonjour, bonsoir. Nous allons ensemble aujourd'hui découvrir la voiture de Prince Aimé, la dite voiture même de Prince Aimé, car hier, Prince Aimé a arrosé sa voiture. Pendant que je vais parler donc, vous allez voir les images de la voiture de Prince Aimé à côté. Et à la fin, parce que j'ai un petit message à passer à la fin, vous allez aussi écouter les paroles, ce que Prince Aimé dit en versant le champagne sur sa voiture. Comme vous avez vu en titre, j'ai dit, il faut que Gâteau arrête avec la sorcellerie. Parce que voici son post hier, quand tout le monde a découvert la voiture réellement de Prince Aimé. Il dit, c'était d'abord noir, aujourd'hui c'est bleu. Je voudrais profiter pour expliquer encore une fois de plus, parce que le fait de me traiter de bipolaire, franchement, ça ne me plaît plus déjà. Au départ, je prenais comme une blague. Mais ça devient déjà que dès qu'il fait chaque post, la moitié des commentaires, c'est « Franco, tu es bipolaire. Franco, on ne te comprend même plus. Franco, tu supportes qui ?» Vraiment, ça ne me plaît plus. Et j'ai le droit de vous expliquer ma manière de travailler. Hier, Gâteau tenait la main de Prince Aimé, qui était une action louable. J'ai apprécié. J'ai encouragé Gâteau. Aujourd'hui, Gâteau est en train de faire le sabotage. Je pense qu'on devrait vraiment encourager et apprécier l'action de Wasdé. Wasdé, ce que Wasdé fait, vraiment, il faut être seulement un sorcier, comme j'ai dit là, pour ne pas l'encourager dans cette action-là. Hier, nous avons vu Pifo à 80% dans des choses bizarres. J'avais le droit de critiquer Pifo. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, je ne soutiens que ce qui est juste et vrai. Depuis 5 ans que nous sommes sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais entendu mon nom dans quelque chose de louche. Tout ce qui est bizarre qui vient sur la toile, vous n'entendez jamais mon nom et vous n'allez jamais entendre mon nom. J'essaye d'être clair dans tout ce que je fais. Et même ma façon de traiter les images, de faire mes vidéos, je suis logique, je suis clair dans mes vidéos. C'est parce que les gens ne comprennent pas ma logique, qui pensent que je suis bipolaire. Pourtant, je ne le suis jamais. Hier, Pifo, il y avait certains dossiers sur Pifo que tout le monde, franchement, voyait que c'était inadmissible, incroyable. C'était, je ne sais pas, intolérable. Et je critiquais Pifo. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas l'action que Pifo est en train de mener. Vous ne voyez pas tout ce qu'il fait pour Jenny Solo. Ce n'est pas donné. J'ai le droit d'encourager Pifo dans cette action. J'encourage les actions de Pifo et non Pifo. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et j'encourage les actions de quelqu'un et non cette personne-là. Parce que ce que la personne fait dans sa vie, ça ne m'intéresse pas. Ce sont ses actions. Quand tu mets une action qui est négative, je dois te critiquer. Quand tu mets une action positive, je dois t'encourager. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ton Pifo est en train de faire quelque chose de bien pour Jenny Solo, si demain j'entends la narde dedans ou bien j'entends quelque chose de faux, c'est normal que je revienne vous dire que, gars, attention, Pifo est en train de gaffer à tel niveau. Et à quoi de bipolarité là? Tu viens demander que hier, c'est toi qui soutenais Pifo hier, aujourd'hui. Mais c'est normal! Que quelqu'un fasse quelque chose de bien, on l'encourage. Et demain, il fait quelque chose qui n'est pas bien. On dit non, monsieur. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Parce que quelqu'un dit, vient me dire que... Vous venez écrire en commentaire que c'est moi qui soutenais Gâteau hier. Aujourd'hui, je suis contre Gâteau. Ça veut dire quoi? Arrête d'être bipolaire. C'est vous qui ne comprenez pas. Ceux qui ont le cerveau lolo. Vous ne comprenez rien. Hier, l'action que Gâteau menait était louable. Aujourd'hui, l'action que Gâteau mène, franchement, il ne peut pas l'encourager parce que je ne peux pas continuer à l'encourager parce que hier, j'ai l'encouragé. N'est-ce pas? On a vu également ce qui s'est passé avec des Bordeaux et Malors. Quand j'ai fait une sortie, malgré tout ce que je disais contre des Bordeaux, que il y a une action que j'apprécie. Les gens viennent me dire que c'est pas Debordeaux que tu insultais tous les jours que tu viens apprécier. Est-ce que c'est parce que quelqu'un est mauvais que s'il fait quelque chose qui est bien, on ne doit pas apprécier? L'action que Debordeaux a fait, c'est ça que j'apprécie. Le fait d'avoir pas bloqué les gens qui partageaient
sa vidéo. C'était une bonne action, c'était bien pensé. Contrairement à l'équipe de Prince Aimé qui était venue bloquer tous ceux qui partageaient la vidéo de Prince Aimé. Et ça les a énervés. Ils sont allés signaler le compte de la chaîne de Prince Aimé. Et nous avons vu ce que ça a causé. C'était pas une bonne action. C'est pas parce que tu soutiens quelqu'un que même dans le faux, tu dois continuer à le soutenir. C'est plutôt un danger. Si quelqu'un te soutient, que ce soit dans le bon, que si tu fais ce qui est bon, il est avec toi. Tu fais ce qui est mauvais, il est avec toi, ce n'est pas un bon ami. Un bon ami doit te dire quand tu es en train de te dérouter. Oui, nous ne parlons pas dans le cadre de la société, dans le cadre de la vie réelle. Si tu as un ami, que si tu tombes, il est avec toi. Tu te lèves, il est avec toi. Tu glisses, il est avec toi. Tu fais tout, il est avec toi. Tu tues, il est avec toi. Tu fais du bien, tu fais du mal, il est avec toi. Ce n'est pas un ami, là-bas, là, c'est un traître. Parce qu'un vrai ami doit être capable de te dire, quand tu es en train de te dérouter, que gars, il doit te mettre sur les rails. Voilà ce qu'on appelle un ami. Quand tu dérailles, le gars va te remettre sur les rails. Donc, quand ta pendule perd à l'heure là, il doit remettre ta pendule à l'heure. C'est comme ça un ami. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà les actions que Wise est en train de mener. C'est bien et j'apprécie. Mais si Wise est indemne, vous pensez que moi, je vais venir contre toi l'encourager? Non! Je dois dire que Wise est... Attention. Donc, c'est ça que je voulais préciser. Donc, arrêtez un peu avec des commentaires bizarres. Quand vous ne comprenez pas le sens du travail de quelqu'un, quand vous ne comprenez pas la façon dont quelqu'un travaille. Maintenant, on va écouter Prince Aimé. Prince Aimé arrose sa voiture. Nous allons écouter les paroles. Gato est venu nous dire que c'était une voiture noire, une vieille voiture, qu'ils sont allés à Yaoundé avec. Vraiment. C'est ça qui me surprenait quand Wasde avait posté la photo. Et Wasde lui-même, ce n'est pas l'image qu'il avait d'abord postée sur sa page là. En fait, je ne sais pas si vous voulez seulement taper le ventre de certaines personnes et entendre ce qu'on devait dire avant de présenter la vraie voiture, l'image de la voiture même. Parce que c'est la voiture que Wasde avait d'abord postée était effectivement noire. Mais on voit plutôt la voiture bleue que Prince Aimé en train d'arroser. Mais je me dis que c'était une technique pour comprendre ce que les gens devaient dire. Parce que dans la première vidéo, les premiers posts de Wasde, on n'avait pas vu Prince Aimé en train d'arroser la voiture. Donc c'est que nous confirmons que c'est vrai. C'est ceci où on voit vraiment Prince Aimé a reçu sa voiture et il arrose. Donc écoutons les paroles. Okay, je voudrais dire merci à tous mes frères et sœurs camerounais, à tout mon public qui m'a toujours soutenu et qui me soutient depuis que le succès de Viviane a repris et depuis le fameux remix avec les 5 grosses têtes et vraiment toutes les reprises qu'il y a eu. Merci pour tout ce que vous m'apportez comme amour, comme soutien, comme chaleur. Merci. Merci à Easy Constructi. Merci également à mon frère Wax D qui se bat pour que les choses avancent. Donc, par votre concours, grâce à votre soutien, grâce au soutien de tous ceux qui vraiment ont apporté du bien-être dans ce projet et même ceux qui ont aussi manifesté des inquiétudes, voilà, nous avons quand même une petite belle voiture qui va nous permettre désormais d'aller faire des courses, d'aller en spectacle. C'est très important, il fallait cela pour Prince Aimé. Donc voilà, votre voiture, voilà, peut-être pour l'instant, elle n'est pas encore la grosse voiture que dont vous vous attendiez, mais c'est déjà quelque chose et je pense qu'après ça, nous allons avoir également une qui est devant celle-ci. Mais celle-ci, c'est déjà un grand cadeau pour moi. Et je crois que avec celle-ci, nous pouvons déjà aller au spectacle. Nous pouvons déjà aller faire des courses et faire beaucoup de choses. Et pour tout ça, je voudrais vous dire merci. Merci à tous les Camerounais. Merci à toute l'Afrique. Merci à tous ceux et celles qui aiment Viviane et qui s'identifient à mon œuvre dans le monde entier. Je vous suis infiniment reconnaissant. Merci surtout à Wax Day. Merci à tous mes frères et sœurs, tous ceux et celles qui me soutiennent de part et d'autre. Voilà, donc voilà votre voiture et je vous dis merci quoi. Bon, ça fait longtemps que je ne vous ai plus la fesse hier, donc je ne sais pas si j'ai réussi. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi, like, lâche-moi même un commentaire si possible. Voilà les gars, décembre est dehors. Ceux qui aiment
ce que Franco fait sur les réseaux sociaux, je vous demande de m'encourager. Il ne vous demande pas l'argent. Pardon, donnez-moi seulement vos marchés, vos cérémonies, les mariages. C'est d'exemple des mariages. Je suis caméraman professionnel. Le studio est situé en face au Talon Gusso. Ceux qui veulent voir même la qualité de nos travaux, venez au studio, vous allez voir. Parce qu'il ne peut pas poster les images des gens sur les réseaux sociaux, c'est interdit. Donc les gars, pardon, donnez-moi les marchés. Et tous les marchés que je vais prendre en exemple, moi-même je porte la caméra. Je vous attends. Voilà mon contact. Contactez-moi. Encouragez-moi aussi. Ciao.